Carte blanche à Texblog and Rock'n'Roll. Bonjour, c'est Jean-François Convert de Texblog and Rock'n'Roll. Je suis très heureux de vous retrouver sur W1RS Radio avec ces chroniques qui reprennent donc aujourd'hui. Voilà, on s'était quitté il y a un an, en mai 2020. Mais depuis, le blog a bien sûr continué. Pour ceux qui me suivent, vous avez pu voir toujours des articles, des chroniques d'albums, des interviews sur France Info, différents articles sur différents sujets. Voilà, mais le temps m'a manqué pour faire en même temps ces chroniques sur la radio. Mais c'est avec un grand plaisir que je les reprends aujourd'hui. Et donc pour ceux qui se souviennent, il y a un an, on s'était quitté avec, après avoir commencé par du folk, on s'était quitté sur du blues, et notamment avec Big Daddy Wilson qui mêlait un petit peu blues et soul. Et donc justement, même si la transition a été un petit peu longue, on va reprendre aujourd'hui avec différents artistes soul, rhythm and blues, funk, des artistes que j'ai découverts un petit peu ces dernières années, ces derniers mois, et qui m'ont, sur lesquels j'ai vraiment accroché et que je souhaitais vous partager. Voilà, donc on va commencer avec un groupe français qui s'appelle Elise and the Sugar Sweets, qui a enregistré un album It Can't Go Wrong fin 2018. Et on va écouter donc le single de cet album qui s'appelle, c'est le premier titre, I'm on Fire. Et vous allez voir que, comme son nom l'indique, ça met le feu justement pour bien commencer. Elise and the Sugar Sweets, I'm on Fire.
Voilà, un groove irrésistible qui fait penser au son Stax des 60s. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et tout l'album est vraiment excellent avec différentes ambiances, soit très blues, lounge, ou au contraire très funk, un petit peu comme on vient de l'entendre, avec des riffs très marqués et qui donnent vraiment un petit peu des fourmis dans les jambes. Je vous le conseille vivement. Et surtout, notez bien sur votre agenda le dimanche 16 mai, puisque le groupe sera en live sur Facebook et sur différents réseaux sociaux. Je devrais normalement cross-poster le live sur ma page Facebook Text Block and Rock'n'Roll. Donc restez bien à l'affût des annonces. Je vais partager d'ici le 16 mai plusieurs petits rappels pour ce concert. Et vraiment, je pense que vous passerez un très très bon moment le dimanche 16 mai. Alors, on reste en France avec le Bordelais Alexis Evans, qui lui aussi n'a vraiment rien à envier à ses mentors anglo-saxons en termes de soul ou de rhythm and blues. Il a enregistré un album il y a peu, puisque c'était effectivement en début 2019. Un album qui s'appelle I've Come a Long Way. Et là, du coup, il y a un charme un petit peu plus rétro, je dirais, un petit peu nostalgique. Comme vous allez l'entendre sur ce titre qui s'appelle She Took Me Back. Et si vous avez l'occasion de voir le clip sur YouTube, voilà, c'est savoureux parce que c'est en image sépia et même en format 4 tiers, ce format carré de la télévision d'antan dont certaines générations doivent bien se souvenir. Voilà, je vous laisse écouter Alexis Evans, She Took Me Back. If I walked up to her door, and all the spies looking for, if I stood up for her, I'd like to think she wouldn't matter after all. She took me back once before. Once before. Would she laugh instead of cry? Send me home. She had a little concern when I showed her I returned. After all, she took me back once before. If I make the sweetest supper just for having her again, would she say she's not in town? No, no. Or take your glass and lay it down. After all, she took me back once before. Once before. Once before. She took me back.
après ces deux artistes Frenchies, on va traverser l'Atlantique pour aller au Texas pour écouter le Rhythm and Blues de Sugar Ray Leonard, un noir imposant à la stature massive et à la voix non moins puissante, qui joue, vous allez voir, et qui chante de façon très très forte et très avec beaucoup d'énergie, et toujours ce groove qui donne envie de danser et auquel il est difficile de résister. Il a sorti un album, donc lui c'était il y a un petit peu plus longtemps, en 2017, qui s'appelait The World That We Live In, et on va écouter le single qui s'appelle Take Me Back, qui respire vraiment le sud des États-Unis avec un son encore très très stax, je trouve. Voilà, je vous laisse écouter Sugar Ray Leonard avec Take Me Back. Can you dig it? Un petit peu Texas ou Tennessee, c'est selon, avec Sugar Ray Leonard, on va de nouveau revenir en Europe pour aller du côté d'Amsterdam, où un groupe qui s'appelle les Tibbs, eux aussi jouent un petit peu une musique très en référence aux 70s, 60s et 70s, très soul, et qui ont enregistré sur le label milanais Record Kicks, qui est un label donc italien, qui vraiment cherche à reproduire un petit peu ce son de l'âge d'or, de la soul et de rhythm and blues des 60s et 70s, et qui, je trouve, il parvient vraiment à la perfection.
Donc les Tibbs ont changé récemment de chanteuse et ils ont sorti un deuxième album en novembre 2020 qui s'appelle Another Shot Fired. Et là, on va écouter un des singles qui s'appelle Damaged Heart. Les Tibbs. Voilà, c'est là qu'on s'aperçoit que l'Europe n'a rien à envier aux États-Unis en matière de son soul, puisque, donc, comme je vous le disais, un groupe formé à Amsterdam et qui est enregistré donc, à Milan avec le label Record Kicks, et qui sort des disques d'une très très grande qualité, qui sont vraiment au même niveau que la Motown ou que Stax, et qui continue à faire vivre l'esprit de la soul encore aujourd'hui. Alors on va de nouveau retourner de l'autre côté de l'Atlantique, bon, plus précisément en Californie, avec un son justement un petit peu à mi-chemin entre la surf music, un petit peu entre les Beach Boys et la soul de Memphis ou de Détroit, avec les Chaladas, qui sont en fait un groupe familial puisqu'il s'agit du père et des trois fils, qui chantent vraiment des harmonies vocales magnifiques. Et ils ont sorti un album, eux, en 2018, qui s'appelle Love in the Wind. Et on va écouter le morceau qui s'appelle Those Days Are Over, avec ce côté vraiment nostalgique, qui chante un petit peu les douces années de l'enfance et du bonheur en famille. Et vraiment, c'est un son très, très 60s que j'aime beaucoup. Voilà, les Chaladas avec Those Days Are Over. When we were young and we're both in school,
are over. Don't worry, baby. Those years are over. Don't worry, baby. We're all getting older. You were at home, I was on the road. Each of us carried a separate load. Stress always on our mind. But those years are over. Don't worry, baby. Yes, those years are over. Don't worry, baby. We're all getting old. Reste aux États-Unis, cette fois on va aller du côté de Chicago, avec un son un peu plus urbain, celui des Devons, qui eux jouent une soul et un rhythm and blues un peu plus proche de Motown ou de Curtis Mayfield, avec ce son qui diffère un petit peu de celui du sud des États-Unis. Et ils ont enregistré un album éponyme donc, qui est sorti il y a un an, en juin 2020. Et on écoute le single Come Back, les Devons. There was once this girl I knew. I was hers and she was mine for a season. Happiest in her arms. Had these brown eyes you just had to see. But I hesitated too long. Now she's gone and found another man. And though I tried to be okay, just wanna win her back anyway. Life goes on, why can't my heart? Mama told me love would tear a man apart. Never thought it would be like this. Give my hands just a taste, a kiss. I never thought that you'd be giving up on me. Now when I'm finally free for you to love me. Some darling girl, I'm hoping that the song will find you. Thinking of more.
times she would let me come back to her place. In her eyes, love would shine. Do anything just to see that face. We would sleep and wake again, catch the sunlight coming in through a window. And we'd make plans, go out at night through the town, guided just by moonlight. The way she looked and did her hair, how could I think that she would never stop waiting? The hardest part is to make her see that she'd be better off back with me. I never thought that you'd be giving up on me. Now when I'm finally free for you to love me, some darling girl, I'm hoping that this song will find you. Donc pour terminer, parce que oui, j'ai décidé de faire des chroniques plus courtes que celles de l'année dernière, en essayant de vous proposer seulement un titre par artiste et puis peut-être un peu plus d'artistes. Et on reviendra donc sur différents styles dans les semaines à venir. Donc pour terminer, je voulais vous parler d'une artiste qui m'a vraiment, vraiment beaucoup touché ces dernières années, ces derniers mois, qui s'appelle Kaz Hawkins. Tout simplement parce qu'elle a une histoire assez incroyable. Et, elle a échappé de la mort, vraiment elle est passée très très près puisqu'elle a été égorgée par son ex-compagnon. Et heureusement un policier l'a trouvée dans la rue et a pu la sauver. Et vraiment elle raconte un petit peu cette descente aux enfers qu'elle a vécue avec notamment la drogue et la violence et vraiment une période de sa vie très très noire. Et comme elle explique comment la musique l'a aidé en fait à remonter et à trouver cette résilience phénoménale. J'ai parlé en fait dans une chronique du phénix qui renaît de ses cendres, parce que c'est vraiment l'impression qu'elle donne d'être arrivée à sortir un petit peu de ce gouffre et comme elle le dit, vraiment grâce à la musique. Alors, récemment, enfin un peu avant la pandémie, en 2019, elle faisait un spectacle dédié à Etta James, qui est vraiment son artiste mentor, son idole et en qui elle se projette. Et vraiment, elle souhaitait lui rendre hommage sur la scène. Donc le spectacle a été malheureusement interrompu au printemps 2020 à cause de la pandémie. Elle a refait quelques dates en août, dont certaines en France, je crois vers Toulouse. Et elle a surtout enregistré un magnifique album qui s'appelle Don't You Know en 2017, qui est vraiment superbe et uniquement composé de piano-voix. Elle est accompagnée donc par Sam York au piano et elle chante, elle sort ses tripes, c'est vraiment, vraiment magnifique à écouter. Et donc on va se quitter sur ce morceau qui s'appelle Don't Sleep Away, où vraiment vous allez entendre cette voix qui ne peut que vous toucher, enfin en tout cas je l'espère.
Je vous dis à très bientôt pour des prochaines chroniques où on parlera d'autres styles musicaux, je pense de rock, de hard rock, de country, je ne sais pas encore exactement. Mais voilà, je vous ferai signe bien évidemment sur la page de Textblog and Rock'n'Roll. N'hésitez pas à aller voir les articles sur le site web, partager les publications des réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest. Voilà, et puis surtout, surtout, écoutez, écoutez et écoutez de la musique. Au revoir, à bientôt. When you walk this road alone, you gotta hold on to your own and be yourself. Find who you wanna be. When you're standing face to face, looking in the mirror with its dead space, hold on tight, it's not who you really are. You're somewhere, somewhere deep inside, and I know you're hanging on for your life. Yes, I know only too well you're fighting to get by. So don't slip away, don't slip away. Why? You're the reason why. All this darkness that you feel, stealing a light like a lightning thief, and running away and leaving you here alone. This is the time to remember when you once felt like a human among your friends. There's always one of us to carry your burden through. We believe you're somewhere deep inside, and we know you're fighting for your life. Yes, we know only too well you're fighting, get by. So don't slip away, don't slip away. Why? You're the reason why. Don't slip away, don't slip away. Why? You're the reason why. Don't slip away, don't slip away. Why? You're the reason why.